Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe de la part de Miss Tinguette et on a fait un échange de la La Houdi 2. Voilà. Alors, hein, c'est comme ceci, ça se présente comme ceci, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Alors, je te remercie, Miss Tinguette. Voilà. Tu vas du coup recevoir la mienne normalement dans pas longtemps. Voilà. Alors, et ça vient du tuto de Rose Bonbon Coco. Alors, je vais vous l'ouvrir. C'est bien fait. Vous voyez, avec du papier blanc. Vous savez, quand on va acheter des fleurs, et bien, vous avez ce petit papier. Voilà. Avec un petit nœud tout rose. Ah, on va l'ouvrir délicatement. Et c'était bien protégé dans une enveloppe à bulles. Excusez-moi du bruit. Mais comme je voulais l'ouvrir avec vous, je voulais faire les choses jusqu'au bout. On va pas. Je me mets de côté pour éviter de vous embêter avec le bruit. Elle est trop, 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 trop belle. Oh là là, c'est vraiment miniature. Alors, je lui ai demandé que ça soit un peu vintage. Voilà. Mais vu qu'elle sait que j'aime le mauve, alors elle m'a mis un peu de papier mauve. Voilà. Alors, elle m'a mis une fleur. Voilà. Marron. Alors, elle m'a mis une fleur marron, un petit cœur. Là aussi, une fleur avec un petit bouton marron. Le papier, il est vraiment trop mignon. Derrière, c'est fleuri. Là, le derrière, c'est couleur bois. On dirait que c'est, je sais pas, brodé. Oui, on dirait que c'est un peu brodé. Ah, et ça, c'est des petites fleurs aussi, en papier. C'est vraiment joli. C'est pour mettre dans l'album de ma chienne ou pour décorer tout simplement. Oups. Alors là, c'est des petites fleurs en papier vintage avec des petites perles. Ah, des petits papillons avec des paillettes. Oh, des jolies pattes de chien. Alors, il y a de toutes les couleurs. Il y a rose, il y a du violet, violet mauve. Il y a vraiment de toutes les couleurs. C'est des petits ronds en papier avec des petites pattes. Et c'est vraiment très, très bien présenté. Alors, ceci, c'est des attaches parisiennes, si je ne me trompe pas. Hein? Ah. Avec des cœurs très mignons en forme de rosace que j'adore, avec des petits boutons. Hein? Et, oh, et c'est tout miniature avec une libellule, un petit papillon, de la petite dentelle. C'est vraiment trop trop mignon.
Et le derrière, il est avec des fleurs. Alors, je te remercie, Miss Tinguette, ça me fait très plaisir. Tu vas recevoir la mienne dans pas longtemps. Voilà. Ah, ce n'est pas fini. Et aussi, elle m'a fait une jolie carte. Une jolie carte. Dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est la surprise. Alors, voilà. Elle m'a fait une petite attache ici pour l'ouvrir comme une fenêtre. On va découvrir ceci avec vous. Ah! Mais c'est... Mais... Ah! Avec ma pépette. Avec ma Roxy d'amour. Mais ça, pour moi, on dirait que c'est comme un petit cadre. Ça, je vais le mettre dans ma vitrine. Oui. Voilà. Alors, elle a mis des petites feuilles, des branches. Voilà. C'est très, très, très mignon. Le papier ici, il est très automnal. Voilà. Automne avec un petit pont rose, des arbres. Et tout le tour, elle m'a mis, je sais pas, c'est des autocollants en forme, enfin, en, voilà, en perles. C'est vraiment mignon. Et ça, pour moi, c'est un cadre, un petit cadre en papier, très 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 mignon. Voilà. Alors, écoute, je te remercie. Tu fais de très belles choses, hein. C'est vraiment gentil de ta part. Voilà. Surtout que, bon, on s'était écrit par mail. Parce que c'est là que je t'ai dit que j'aimais les trucs vintage. Et mais par contre, pour ça, je ne savais pas, c'était une petite surprise. Alors, c'est très gentil de ta part. Tu as des mains vraiment en or. Voilà. Et c'était présenté là-dedans, dans du papier bulle. Voilà. Alors, je te remercie et je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous dis à très vite. Merci.